Salut, me revoilà. Donc, j'ai exploré un peu. Il faut d'abord aller par là, donc ici un coffre vide, une fois de plus. Donc il y en a pas mal, des coffres vides. Et là, on fait apparaître quelques pierres. Hop. Je reprends l'autre groupe. Donc là, c'est bon, hein, je vais pas me gourer cette fois. Je pense que je vais encore faire un... C'est trop bien le fait de faire deux grands booms d'affilée comme ça. En plus, maintenant, je sais bien les faire. Et voilà, donc pour faire des ennemis, rien quoi de plus simple, hein, franchement. Alors, fais pas le... fais-le sur l'autre. Oh, yes. Je fais un groupe trop pas équilibré, mais bon. D'ailleurs, il y a un dragon dans cette caverne, dragon de feu, si je me trompe pas, qui est assez chiant. Mais vous allez voir, il va pas rester longtemps, hein. Donc voilà, en fait, j'ai fait apparaître ça avec l'autre groupe, les petites pierres là en bas. Donc je vais pouvoir passer ici. Ouais, bon, je sais pas. De toute façon, on s'en fout. Hop. Trop bien, quoi. En plus là je suis bien tapé sur les touches comme avant là. Ah là je retrouve la jeu de vidéo là, c'est... Je joue aussi bien qu'avant maintenant. Je suis trop content. Donc bien sûr les persos je voulais les effets comme ça, mais on peut les faire dans n'importe quel ordre, hein. Enfin quasiment. Donc là on s'en fout, on va se prendre les pics quand même, hein. Vous savez quoi. Ça fait pas grand chose de toute façon. Non. Ah merde, quel con, j'ai appuyé sur X. Quel blaireau. Bon, hop, petit coup de perceuse. Enfin, d'accord, elle fait plus mal que l'autre avec sa perceuse. Vas-y, X. Ah oui, il y a une autre humeur avec Gogo. Dans FF5, en fait, voilà. Je crois que c'est Gilgamesh, ouais, d'accord. Je crois que c'est Gilgamesh qui... Oula, c'est peut-être pas génial de faire ça en fait. Enfin, bon. Donc là, l'autre groupe. Oui, Gilgamesh dans FF5, si je me trompe pas, c'est lui, mais je suis pas sûr. Ils sont envoyés dans une zone X parce que voilà, il y a le boss du jeu qui le barre zone X, ça lui envoie dans une autre dimension. Et il y a une rumeur aussi, hein, une fois de plus, qui prétend que Goku, bah, c'est Gilgamesh envoyé dans la zone X. Et qu'on retrouve dans FF6 en fait. Donc il y a plein de rumeurs, mais Goku, on sait pas vraiment qui c'est. Quoi. Contrairement à Shadow, qu'on sait vraiment qui c'est, et qu'il y en a qui nous font chier. Que ils nomment, c'est des rumeurs, machin. Alors que ça se voit trop que c'est la vérité. Enfin, vous verrez. Putain, mais c'est quoi ce truc? Alors ça, j'adore, c'est un monstre. Il se prend que des dégâts de merde, mais il a pas de vie, donc je vois pas trop l'intérêt. Ouh. Oula. Donc là, il y a bientôt plus de magie. Génial. Ne vous inquiétez pas, il y aura des points de sauvegarde. Encore heureux, vu qu'il y a un dragon. Donc là, un Covid une fois de plus, vous voyez. Et un combat une fois de plus. Dommage que j'ai pas l'autre objet de Himaru, je sais même plus où on l'a.
Je vais essayer de chercher et puis je vous le montrerai. Donc ouais, l'autre objet qui permet de faire Blizzard, ça lance une attaque de classe sur tout le monde. En plus on va avoir le dragon de feu, donc ça aurait été bien utile. D'ailleurs le dragon de feu il est peut-être pas si fort que ça. C'est comme le dragon de glace quoi, il suffit d'utiliser les mains opposées. Et quand même dragon de terre et l'autre, d'air, je les ai battus mais je comprends pas quoi. Comment j'ai fait. Parce que celui de terre il fait des dégâts astronomiques. Mais là vu que sa faiblesse était la terre à cause de Edgar, bah, il a fait de la merde. Pour pas se tuer tout seul. Mais l'autre, par contre, il faisait que des attaques normales au lieu de faire des magies. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Ah, je sais toujours pas ce que c'est, Tornade, au fait, le truc que j'avais récupéré. Faudrait que je regarde. Tornade. Ça... Apparemment, hein... c'est pas vraiment ce que c'est, quoi. Ouais parce que je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Alors magie antidote voilà. Et du coup ils peuvent passer parce qu'on a dégagé le chemin, comme vous voyez. Donc là en fait faut commencer par faire ça. Change de groupe. Eh je comprends pas là. Et voilà. Ouais. On va prendre sauvegarde. Bon, bah, parce qu'il y a un point de sauvegarde, on va faire les cons. Oh putain, j'ai pas acheté de tente depuis le temps là. Faudrait que je me brûle le cul de l'acheter. Ouh, mais espèce de salopard. Ouais, attaque. Là on a invincible avec double mantra là. Laisse tomber quoi. Il peut faire ce qu'ils veulent, ça sert à rien quoi. Donc oui s'il se régénère Sabine et qu'il craint rien, en fait c'est parce qu'il a un bouclier de foudre ou un truc comme ça. Enfin il a un bouclier élémentaire quoi. D'ailleurs le bouclier de feu ça va être bien utile contre le boss, le dragon de feu. Parce que ses attaques vont nous soigner du coup. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont géniaux les boucliers élémentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon allez. On va faire ça. Ah, il est chiant. Hein. Vous voyez un racine blague de mantra. En plus c'est gratos donc je peux le faire volontiers. Je me demande si je fais aimer, qu'est-ce que ça va faire là. Ah oui d'accord, ça fait de la grosse merde. Putain. Donc ça devrait le tuer hein. Je me demande si quand on fait mimer sur une attaque, est-ce que ça mime la même. Ouh salopard. L'enfoiré. Je te bute toi zut. Putain je vais le crever. Il va rien comprendre. Oui Zonix ça tue tout. Enfin tous. Ça aurait pu me tuer tous les persos. Hein. Un bâtard là quand même. Allez, il est un peu... Oh non ! Espèce de salopard ! Eh mais il va pas me tuer, juste devant le point de sauvegarde là. Mais là, l'onde de ma vie là. Non ! Ouh ! Eh mais j'y crois pas, je vais me faire buter devant le point de sauvegarde comme un con.
Putain, j'ai une frayeur là. Salopard. Pouh. Putain, j'ai plus que 5 tentes en plus. On va sauvegarder, hein. C'est pas trop demandé. Hein. Donc voilà, ça c'est bon. À quoi ça sert ça? Ok. Donc eux ils peuvent passer. On va caper les pics. Moi j'aime bien ce donjon en fait. Putain, mais les petits trucs là, ils font du dégât ces salauds. Eux là. Celui que je viens de frapper. Putain, ils font Zonix quoi, mais c'est un truc de robateur ça. Putain, ils nous zombifient, mais. Ah, mais c'est vraiment des salopards quoi. Vas-y, achève-le. Ouais, Imaru il absorbe le feu en plus. Hein. Enfin, il absorbe tous les éléments apparemment. Feu, glace, foule. Tant mieux. Hein. Vu que j'ai mis un truc de rapidité en plus, une chaussure. Il fait assez de dégâts. Hein. De toute façon, je l'aime bien. Je préfère lui que Go en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être pas ça, un Yeti. Je sais pas. C'est marrant. C'est assez inhabituel hein, comme perso. Donc là je vais descendre. Et maintenant c'est moi qui peux passer. Ok. Ouais. Ah, c'est le vrai bordel ce truc. J'adore. Génial. Comment on récupère ce coffre là? On peut pas. Faut peut-être tomber d'en haut, je sais pas. Merde, j'ai oublié de la dézombifier ou quoi. Objet. Machin de vie. Voilà. Putain, j'en ai beaucoup en plus. En fait, je sens invincible en zombie. Enfin, s'ils sont tous en zombie, après, ça fait de la merde. Mais... Il avait pas beaucoup de vie d'ailleurs, j'ai un peu mal. Putain, ils ont de la vie, ces salauds. Non, miss. Connard. Bon. Vas-y. Ça, je sais pas comment ils ont traduit cette merde, quoi. Magie, vie. Parce que du coup, il a récupéré ses PM, hein, comme ça. J'espère qu'ils vont pas la rebuter, une fois de plus. Je préfère largement le groupe que j'ai fait. Alors qu'a priori on pourrait croire que c'est celui-là le plus puissant. Bah en fait c'est l'autre, de loin. Parce qu'en fait Gogo, peu de personnes l'utilisent mais il est génial. Hein. Je suis sûr qu'il y en a plein qui savaient même pas que dans le menu on pouvait modifier ces trucs. Enfin bon. Voilà. Donc les persos cachés ils servent pas à rien, hein, comme vous voyez. Ah yes, une nouvelle technique pour Sian. Alors c'est laquelle? 6, alors je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est pas l'espèce de 4 claques plus puissante ou... On va voir ça tout de suite, de toute façon. Alors. Donc je me posais une question, est-ce qu'on peut passer par là? Non, bah ça sert à quoi de foutre un... Hein. Ouais d'accord. Donc le coffre à mon avis, hein, ça sera pour plus tard. Ah, je crois qu'il y a le dragon pas loin là. Voilà.
Ah ouais, génial. Donc là on va appeler le groupe maintenant. Hop. Donc on va sauvegarder un coup. Je crois que le dragon on peut le combattre avec le groupe qu'on veut. Donc celui-là en l'occurrence, puisque c'est le plus puissant. Donc désolé si vous entendez le clavier, hein, c'est que je suis obligé de faire la diagonale, je vous l'ai dit, sur le clavier. Maintenant c'est quasiment par réflexe que je le fais, quoi, le grand boom. Le passement grand boom, ça fait con ça. Le miner, tiens. Confiez eux quand ils crèvent, ils font des saloperies. Non, non, il attaque bien avec sa saloperie quand il fait ça. Je vais lui enlever le truc de soin parce que je fais n'importe quoi en faisant ça. Le problème avec Mimé, c'est qu'il peut avoir une attaque qui arrive juste avant. Et du coup, on la répète en s'en rendant compte et ça fait chier. Relique. Non, équipé. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Ok, sympa. Ouais. Voir ce que c'est 6, je me rappelle plus. Hein. Je crois que c'est 7 le truc qui fait comme 4 claques en plus puissant. 8 ça tue tous les persos, enfin tous les ennemis. On va voir ce que ça fait 6. Ah mais c'est bon. Ah il se fait des dégâts sur tout le monde, je vous rappelle. C'est l'air pourri mais c'est bien quand il y a plein d'ennemis. Même si c'est long à faire. Putain là grouille-toi parce que on va crever. Voilà. Ouais eux ils sont vraiment mal hein. Talent, Sian, soin 2. Donc là, il y a deux trucs. Ils font chier. Ils sont chiants. Merde. Bon bah elle est morte. Ah bah non, il reste en zombie. Alors, eau de vie, voilà. Ah, il me saoule, je peux pas faire un pas. Hein. Bon bah désolé, encore chiant. Hein. Oh putain de merde. On va reculer. Parce que je vais le faire avec l'autre groupe, lui. C'est le dragon. Le genre, c'est que tu vois un dragon tout mimi. Hein. Alors qu'il est putain de puissant, en fait. À quoi ça sert, ça? Ouais, ça vaut le passage pour eux en fait. Bon, je vais bientôt vous laisser quand même. Ah bah oui, là on avait enlevé la lave. Donc voilà, on peut passer, prendre le coffre. Un groupe qui a l'air déjà un petit peu plus puissant que toi. Mais voilà, avec mon équipe invincible là. Mais bon, ils pourront rien faire de toute façon. Ça soigne pas poison ça tiens. Si. Oh c'est génial. En plus ça soigne tout le monde et ça enlève les altérations d'état. Oh putain merde, il va falloir que je coupe la vidéo là. Heureusement que je suis motion maker quoi. Sinon je pourrais pas la mettre. On laisse un petit peu plus long que prévu.
Ouais, Motion Maker, l'avantage c'est que quand une vidéo fait 20 secondes 2, 20 minutes 2, ça évite de. Ouais, de la refaire quoi. Mais ça prend du temps par contre. Ouais. Bon, allez, je prends le coffre et après j'arrête. Voilà. Donc j'espère que le coffre c'est pas une mauvaise surprise. Ça rendra encore le temps. Donc. Ruban. Ah bah génial, alors ça c'est pas une mauvaise surprise. Donc voilà, deuxième ruban du jeu. Ça enlève toutes les altérations des terres. Donc on va se la guérir. Voilà, donc je vais vous laisser là. Prochaine vidéo, le dragon, la fin de la caverne. Loki, dernier perso récupéré. Et après, ce sera les quêtes secondaires, puis la fin du jeu. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Je dis ça vite, mais ce sera plus long que vous pensez. Allez, salut!